Chers amis, bonjour, bonsoir. Non pas M. Ronald. Assurez-vous nous avons avec nous un talentueux musicien qui est Kettler Macomb, qui est un artiste de Kettler Sax. Et Kettler, c'est un gradué de FIU qui est un major en music education. Donc, Kettler, qui j'en ai dit? Et nous en forme, je suis content aujourd'hui. Je suis vraiment aimé et apprécié l'invitation aujourd'hui. Là. Et je suis content avec vous aujourd'hui et puis ils font parler. Ok, nous apprécions ça. Bon, quelle est la première question que vous avez pour vous font parler nous plus de vous-même? Bon, et pas de trop, non, vous dites de Kettler, ça ou sur Internet, là, c'est ça. C'est un jeune qui a un pile vision, un pile rêve qui a boumé pour tracer une route. Et pour les jeunes qui a fait musique instrumentale parce qu'ils ont fait un bagage nouveau dans la communauté. Moi, après toute l'école, moi, primaire, secondaire, au CAI, à Haïti. Et puis, je suis venu ici. Et côté que moi, étudié, Miami Dade, moi, étudié FIU. Et déjà, 6 albums. Et moi, j'ai des travaux qui dans la communauté. Moi, je travaille avec différents artistes, nationaux que internationaux. Et bon, c'est ça qui est vraiment Kettler là. Bon, Kettler, et moi bien content de faire présentation à tout et tout pour plus de monde qui connaît qui est Kettler là. Parce que je me dis que c'est un samedi qui joue à ce rang dans le business music haïtien. Hein, parce que ce n'est pas un peu de monde qui a fait ce affaire. Donc, Kettler, et qui relation avec saxophone? Comment ou instrument? C'est un bel instrument. Et toujours dis que ça, c'est un instrument qui permet d'exprimer de tout. Et je suis un monde qui est très introverted, moi vraiment toute émotion, moi inside. Et le saxophone, c'est un instrument qui permet de mettre dehors ça qui est dans toute vibration positive et négative, tout ça que message que je t'avais fait passer, tout ça que je t'avais dit. Et c'est un instrument qui permet de faire ça tout. Et tout le monde aime le saxophone. Une raison, c'est parce que c'est un instrument qui permet de l'exprimer. Parce que la musique, c'est l'expression. Et c'est pas pour ça que les gens ont pile monde vous dire OK sur moi je vous dire saxophone monde waouh m'pa quoi j'aime jouer le monde qui parle le saxophone. Donc est-ce que vous jouez l'autre instrument pas de saxophone? Je fais un petit coup dans l'autre instrument mais vraiment instrument c'est saxophone, c'est ça que je fais professionnellement et moi étudier et musique et en saxophone même. Alors m'pa trop rien mais dit que je joue l'autre instrument et un petit coup oui but instrument me dit que je joue ces saxophones. Oui, mais en pile fois les musiciens disent au fait écoute et puis l'autre bande qui bon ou un gars c'est plutôt bien. Non mais en pile fois moi toujours fait ça, moi toujours réservé à t'écoute que me vont faire pour son nèg vini, me dit bon vinn pas qui bon là la maison pour tel bagaille. Puis moi pour me dire ah pas comment pour faire ça, non pas qu'à faire l'autre du tout. Parce que si me prend saxophone là quelque ça sort d'abord me faire là, et là pour temps m'a fini par joindre parce que connais instrument. Kettler, on connaît dans quel que soit domaine, que c'est dans le sport, que c'est dans la musique, on a toujours une idole, on a toujours un monde la suivre. Donc, même on connaît qui est dans tout gros saxophoniste haïtien ou étranger qui t'a inspiré? Je ne suis pas vraiment inspiré par saxophoniste. Je suis juste inspiré par saxophone dans lui-même. Et son instrument qui est inspiré. Même si tu as un peu de saxophoniste. Mais ouais, un peu de saxophoniste qui a joué, je prends chaque petit bagage que je mets la caillou que je joue. Même pas vraiment un modèle vrai jusqu'à maintenant me dit que nèg ça depuis longtemps m'a suivi nèg ça toujours modèle moi mais c'est sûr que l'aime passé moi que dit ils font bail qui belle me dit ah moi mais ça en pile m'a toujours tendre m'a essayer moi tel nèg fait qui a pile bon saxophoniste haïtien tout sur côté au date tu go et qui sont très bons saxophonistes que moi t'ai gain chance ouais qu'a joué devant en plusieurs fois et nous toujours parler tout et son saxophoniste que moi aimer en pile. Et nèg ça vraiment fait des impacts sur moi. Avant de Tugo, c'est Fred. Fred Desjean. Fred Desjean, oui. Il y a Gérard Daniel. Il y a pile saxophoniste haïtien qui fait un pile bel travail. Et moi prends un pile bel bagage la caillou que yo fait. Et puis, moi venir avec idée par mes puis style par. Au son, je l'aime d'après trop jour là. Moi te dis public là que ou son gradué de FIU. Et puis, major, c'est musique éducation. Moi, j'ai qui j'en parle pour bagage à l'autre dit, bon, c'est musique, t'as des moyens pour l'étudier. Et il n'y a pas de gens qui ont un big deal pour parents parce que papa m'a dit l'école musique et papa m'a toujours encouragé à faire musique. Et il m'a dit que c'était un big deal pour plus l'autre famille, moi, ou bien quelques amis. Et malgré ça, pile monde qui était prêt,
t'es toujours ouais que et à clair que monsieur son nèg qui a dégagé le quand même la musique là pour vivre. Et c'est une bagarre qui fait toujours dit tout le monde et travail que m'gay pour faire pour même commencer dans le monde musical là parce que toujours croire que lumière pas non la briller pour y a oui mais le pas jamais suspendre briller et c'est plus fort la briller chaque jour c'est dans le soleil là la lever bon l'aile rivé il va arriver sous tête ou quoi qu'il n'a rien de fait poésie tout c'est pas ça tout le monde m'a fait poésie non qu'il n'a bon ça va jamais passer dans tête tout pour dire bon fon coup dans un groupe musical même si c'est et, quel que soit groupe là même si c'est pas compa directement on était joué dans groupe Haïti l'aime vinn fait vinn ici dépasser dans quelques groupes mais vision pas de jamais être dans groupe parce que m'pa jamais yon artiste m'pa jamais yon musicien groupe parce que me senti plus bien l'aime devant m'pa exprimer tête même m'pa jouer et ceci était un petit genre difficile pour te faire un monde comprendre c'est une challenge que m'te fait face avec en pile parce que à l'époque là monde garde un saxophoniste ouais son musicien capé derrière ben n'cap souffler et puis qu'on y a vu ouais tinex a venir le jour ils sont artistes là camper devant ben ni pour le jouer et il était venu un petit genre challenge j'étais nouveau dans la communauté hein, et m'te obligé à imposer ma pile parce que en pile offre que m'te kanap jwenn relé c'était m'a vu dans groupe j'ai en pile offre m'a vu dans groupe bon cob et ça pas bon cop tout mais ça pas jamais vision parce que c'est pas là que je voulais arriver mais ça pas jamais attiré ou dit mais tel groupe ou t'as aimé faire de quoi ben pas vraiment pas jamais intéressé vrai jouer dans groupe m'ka passé on est là jouer là et puis m'ka passé faire des coups ça sur fanago mais m'ba moi pas le faire pas intégrer un groupe vraiment bon quel est mon ouais gain on l'autre musicienne qui joue violon qui est le sujet que on fait en pile collaborer avec lui. Mais qui j'en parle à sa débuter collaboration ça. Mon cher, c'est un monde qui écrit sur Instagram, moi mes artistes en pile, moi mes monde qui a fait art, automatiquement a fait art, mon bagage spécial là caillou, un monde qui écrit lui dit pas jamais ouais Intel cap de violon, il dit non, pas dans le ça non. Et puis même côté je dis ça, mal sur Instagram sous Célestin. Je regarde son Instagram et me dit wow, she's good. Je me dis à m'écrire, lui répondre. Je dis ok, that's another good step. Et puis c'est là ça nous commence à parler. Me dit faut que nous fassions bagarre ensemble. Et puis nous venons sortir premier projet qui c'est drapeau non. L'année dernière pendant que nous étions en confinement, parce que j'ai rencontré, il habitait dans Carolina. Nous venons sortir un deuxième projet qui c'est The Prayer. Et côté moi avec Vesta, on a joué ensemble. Qui te fait pile parler, m'gen moun tout l'autre nation qui a prélé, bagay sa fait pile parler dans pile gros office et nous jouons avec lui. Et puis après ça, nous venons meet avec l'année ça là, en mars là, que nous réussissons à rencontrer avec nous parce que nous avons un gig Florida ensemble. Ok, donc c'est la première fois que nous jouons sur scène? Première fois que nous jouons sur scène ensemble, bien. Ok, en donc vous nous souhaitez la prochaine fois jouer sur scène pour inviter? Pas un problème. est-ce que pas jamais collaborer ou bien pour ça collaborer à l'autre artiste haïtien ou étranger? Définitivement, il y a des collaborations qui fait avec plusieurs artistes et sur plusieurs musiques que nous gagnons. Si nous cherchons sur internet, là sur l'album Mayo. Et première collaboration, premier artiste qui font collaboration avec moi, toujours dit ça, c'est Lionel Benjamin. Et son artiste qui inspire en pile de toute la vie musicalement. Et parce que c'est une nègre qui est toujours ouais dans moi, en pile futur, surtout depuis l'été Haïti au Caï. On peut me voir une vidéo de tout petit, m'a joué et avec Lionel Benjamin et il est venu jouer au Caire. Ça tu as vu le ça? Ça se fait. Tu m'as ça depuis au Paso? Ah, Michel de presque vivre. Et alors, moi fait plusieurs fois. Et puis après, Lionel Benjamin m'a proposé pour faire au Kité pour aller ensemble. On version pas, il est chanté le souli avec dans le studio tout bas. C'est ça qui vraiment fait un pile impact sur moi. L'MT ouais, si moi-même et puis Lionel Benjamin décidé de faire musique avec pour moi. Et c'est donc belle et même plusieurs autres collaborations comme ça. Bon, Kedler Sax, je m'en dis, si ou même. Non, mais à l'époque, j'étais très petit. Ou son gros musicien, dans Marou. Oui. Donc, Kedler, pendant, vous avez beaucoup dit, vous faites collaboration avec Lionel Benjamin. Mais est-ce que vous n'avez pas un artiste, nouveau artiste, qui a ça t'a intéressé, vous faites collaboration avec vous? Mon cher, m'intéresse faire collaboration avec tout le monde parce que je crois que dans le mariage de art, toujours mon bagage nouveau qui vient. Toujours mon essence de bagage nouveau, toujours quoi dans collaboration.
Mais littéralement, il y a des gens difficiles dans la communauté par rapport à la ligne musicale ou bien genre un artiste web musique. Et pendant que je parle, je suis un pile artiste que je parle de la cité, je suis un pile projet qui est en cours là, qui vient pour sortir avec des artistes, soit dans le secteur évangélique, là, parce que je dis ça, moi je vais l'église en pile tout. Et ou bien soit dans l'autre secteur, ça a le monde séculaire là, qui fait musique sociale là. Et moi j'ai des projets qui ont venu qui sont très lourds. Bon, Kedler, ou dit que vous ne pouvez pas citer nos artistes, ou déranger, parce que je vous demande qui est artiste ou un homme qui a fait de quoi, même si c'est artiste rap créole, artiste compact, quel que soit les genres musicaux que vous avez fait. On va parler d'un artiste que vous avez joué avec. Quand vous avez joué avec, ou dit bon artiste, ça vous avez fait un collaborer avec. Bon, si vous ne pouvez pas citer nos, pour faire déjà. C'est une très belle question. Il y a plusieurs artistes que vous avez travaillé avec, pas vraiment des gens. Et spécifiquement, quel est mon passé brièvement soit fait pour j'ai même mon plus spécifique qui prochain projet qui est les sax bien pour fanatique et me parle trop d'il parce que me bagaille qui va laguer là et conseil de projet qui a travaillé qui la cuisine album par exemple et non pas quoi sortir album m'a travaillé album avec artiste même m'a travaillé album travaille musique avec artiste même pourquoi sortir un album personnellement mais il y a plus musique que va sortir. Donc vous dites que on va sortir musique c'est sous réseaux sociaux à sortir ou pas faire album? Non, on va faire album. Bon, pour qu'ils ont pas faire album. Et par contre si pour faire année ou bien si demain il m'a changé, moi j'ai déjà 6 albums et surtout dans tant que n'a vivre là, nous pas longtemps pour album. Et nous longtemps côté que moun yo a cherché une série de bagages rapide et puis yo vu yo fait les aller et li rare et par rapport à position tout dans business là. Al fond album kounya di bal presque on temps perdu pour moi alors que s'il font grand champ pour monter le grand champ pour monter il y a plus avantage moi que al fond album kounya surtout avec le temps que on a changé avec technologie toute bagarre fait toute technologie moun n'a pas et pas pile moun kounya qui prend tout temps yo attendre album comme dit que dimanche on la grande musique happy birthday qui c'est un nouveau et moi gagne des musiques qui va la grande semaine qui va venir là yo que pas me citer. Et mais nous voulons. Pour publicité, on va voir. Nous allons publicité. Mais je suis plus nous. Non, je suis plus. N'a pas de lagué. N'a pas de lagué. On va bien battre les mutes Virginia. Scoop ça. Bon, celle-ci, type que je vais lagué là-dedans, c'est nous allons l'autre version de Kitler. Nous allons Kitler qui pas vendre tête comme un chanteur, mais nous allons Kitler qui a chanté. Nous allons essayer de nouveaux styles. Nous allons Kitler avec artistes. Ou alors qu'il est derrière quelques artistes. Qui choix musique ou d'avis, c'est étranger, haïtien ou bien musique la originale qu'il est? C'est sûr, là-dedans, musique originale. Tu vas faire un album qui va musique originale. Et c'est des musiques qui appellent des lyrics peut-être en anglais ou en français. Et parce que, comme nous toujours dit ça, nous avons une langue haïtienne qui s'est créole et c'est une bagarre qui cocobe musique en pile tout. Nous avons une langue que nous ne pouvons pas vendre. Et c'est un bagage, nous avons une interview dernièrement, nous avons dit que le premier bagage que nous avons vendre avant, nous avons fait exportation, c'est la langue nous. Nous avons vendre, nous avons une langue que nous avons vendre. Ça veut dire que même la musique nous, que nous avons produit en langue nous, il va nous bloquer. Et si la langue nous avons vendre, gens que nous avons vendre, la musique nous avons vendre avec la langue. Et qu'on ne pas de côté de l'Église. Je ne dis pas qu'on ne pas faire pile pièce. Et la musique haïtienne nous fait pile effort. Mais nous avons supposé pile. Mais quand là on parle de lyrics, une fois c'est ton album mais instrumental on garde une. Ah oh yeah, moi fais musique instrumentale et c'est ça que me parle de lyrics, musique moi instrumental. Là me font cover tant pour et avec ti dame violon on nous fait demoiselle violon de sous nous fait et pour qui t'es marié. Nous font version instrumentale. Imagine combien monde en Afrique, en France qui sous page nous qui a combien de monde en Mozambique qui aime cover ça juste parce qu'il a tant d'instrumental parce que là nous pas vendre langue mais monde a tant de musique l'a tant d'instrumental et une bagaille que me fait la musique moi aussi pas straight instrumental là voyer un message pour call nous gagne des lyrics qui très simple nous musique moi qui relie celebrate qui dit start to celebrate I'm here to celebrate I want to celebrate I'm here to celebrate so they say the lyrics qui très populaire et puis qui facile. Kedler, on te dit que par rapport à l'école de musique, est-ce qu'on a plus d'informations sur l'école ça?
Et l'école là située au CAI, c'est là que j'ai fait premier étude moi. L'école ça a ouvert en 2005 et quand il y a nous l'école là petit gens souffrir en pile comment nous toujours gain étudiant mais l'école là vient pas développer parce que il y a plusieurs bagages, il y a plusieurs causes lors de l'école musique ou bien l'école art en Haïti. Nous vivons longtemps qu'on y a à côté que la jeunesse et le monde nous n'ont pas le temps pour apprécier et pratiquer art. Parce que nous vivons longtemps de technologie et si nous y a, les technologies mettent avec manque d'éducation sont catastrophes. Et c'est une bagarre qui fait nous souffrir. Puis actuellement, nous avons l'école musicale, oui, nous avons plusieurs étudiants. Dernièrement, nous avons lancé une classe avec One Note for Haiti, qui est un projet que nous avons qui supporte les jeunes qui font musique instrumentale en Haïti. Nous avons lancé une invitation pour 15 timons, saxophone, 15 et guitare. Je ne sais pas si je dis ça, mais c'était triste que nous n'avons pas de 15 timons. Nous avons ville de Kai. Nous n'avons pas joué 15 personnes qui voulaient faire musique avec 50% boost, avec 50% off et sous prix de payer l'école là que nous-mêmes nous sponsorisons pour nous permettre aux séries de jeunes de faire musique. Mon cher Boumbagay, première vidéo, je me dis sincèrement que moi, et moi, c'est pour plaisir de regarder. C'est l'heure où tu as gradué. Vidéo, ça fait un peu le buzz où on est sur les réseaux sociaux. Ou entrer avec un Despacito. Ça qui te plus attiré, ce n'est pas tellement Despacito. C'est cravate qui est dans pour là. Et puis, dis-moi qui ça t'inspire pour te faire entrer ça. De fait, à premièrement, c'était pour montrer à Haïtien que tout bagage est possible. En plus, une fois, nous l'avons sort, nous l'avons échec dans ce monde. Alors que nous, nous l'autre, nous parmi nous, nous l'autre, nous toujours avons tout bagage est possible devant nous. Les moyens entre Miami Dade et mal étudié, et nous avons 5 étudiants même avec tout le monde. Même te mette talent à service l'école là, te là, te wè talent et puis toujours aller, toujours aller. Et puis ça vient ouvrir des portes pour moi. Comme un monde qui sorti Haïti, te fait sorti Haïti, calme Miami Dade, puis vient à jouer. C'était un premièrement un message pour me dire yes I did it. You can do it too. Comme haïtien, jeune haïtien nous ka fè. Deuxième message là c'est pour montrer que gen des bagages positifs là kay nous tout comme haïtien. Et faut me dire que pour jouer graduation, ça m'a gradué dans deux mois. Moi, beaucoup fin préparé. Je fais une journée à marcher derrière Caravata. À l'époque, je habitais Miami. Juste là, je suis 6 jours au monde, 9h du soir, qui dit viens côté le fort de l'aide à l'avant. Je suis arrivé, je dis fort cadeau parce que je suis allé jouer. Et puis, je suis allé à Caravata, je suis tourné là. Pour me dire, je cherchais le monde de jouer. Pour me dégager, pour y aller privé, je vais me mettre la coupe parce que je me dis, bon, ça, je suis supposé marquer l'autre jambe, je suis supposé faire ce qui est lié. Et peut-être c'est un moment d'inspiration, tout. Je vends une image haïtienne mal, je fais montrer tout côté que nous mal, que, et comme si à cause des grands mondes qui a fait des bagages négatifs, ça va nous reposer sur tout le peuple. Là, c'est pas vrai, nous avons des mondes, nous avons des valeurs, nous avons des talents. Et qui sorti en Haïti, style qui en Haïti. Alors, et développer devant toute image ça, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre drapeau haïtien. Kedler, encore une fois, Chilling with Regina Abdou, merci d'être que vous êtes sur plateau avec nous pour présenter tout et pour parler avec nous, pour faire public là qu'on en plus. Moi, bien dit qu'on en plus. Et Nathan Kedler sous scène. West Palm, Miami, n'importe côté lié, Chilling with Regina, là pour nous voir qui a déposé bon note sous sac ça. Et je suis content de venir là, je prends un sac de bagages dans la cuisine là, tout pour venir. Non, Kedler, nous parlons de nous. Merci encore une fois, Kedler, de ce côté de sous plateau Chilling with Regina. Donc, je pense que ce n'est pas la dernière fois. Non, c'est pas la dernière fois. Et puis, nous avons un gros projet, fais-nous signe. Pas de problème, nous avons invité tout le monde, nous avons invité tout le fanatique et automatiquement que nous parlons.